Ça, c'est notre classe. On est les pires élèves selon l'éducation nationale. La pire des classes. Ma belle-mère. Lui, c'est Walid. Il est super méga fort en mathématiques. Il est trop bête, le prof. Qu'il se trompe. Mais pour pas le vexer, je lui dis pas. Mais bon, il en a rien à foutre. Il préfère passer ses nuits à jouer aux jeux vidéo. Encore 2 heures et je dors. Il a fini tous les jeux sur toutes les consoles. Putain, je me fais mal pour rien en plus. Ah oui, tu te demandes pourquoi il porte des costumes. En fait, c'est parce que... Quand il joue pas, bah Walid, il dort en cours. Oh, comme il cadavre, c'est... Il est mort ? Non, son haleine, sûr, elle est morte. Et il faut être de la gueule aussi, c'est une de ses particularités. Mais bon, c'est l'élève qui participe le plus en cours. Skin the stick. Oh, la même ta soeur, c'est ta soeur. Elle a dit pas les soeurs. La peluche là, c'est Ariles. Il a des sourcils, c'est 2 tapis de Clio 3. A la base, c'était notre surveillant. C'est ton carnet, Osgag. Mais bon, ce Osgag, il s'est fait virer parce qu'il a postulé avec des faux diplômes. Hein, tu vas aller en ordre de camp. Mais la directrice, elle est tellement sympa qu'elle lui a proposé de passer son brevet avec nous. Et de réintégrer son poste l'année d'après. Oh, vous allez où là? Il m'emmène en hors de colle là. Qu'est-ce que hors de colle? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, vas-y. Chut, tu la boucles. Tu la vois celle-là? File-moi le carnet. Hors de colle tout seul. Allez, va. Et ça galope, oui. Ça galope. Et il est donc obligé de passer le brevet avec nous. Parle pas de ma soeur, on ne dit pas la famille. Charlie Niobé. Alors lui, il a entre 16 et 36 ans. Ça fera 50 euros, s'il vous plaît. Tarif étudiant ? À 10 euros. Il peut profiter des tarifs étudiants au cinéma. Et le bâtard, il peut même aller dans les sex shops. Sans se faire recaler. J'ai trouvé le daron de Saïd, page 65. Kader Bueno. Alors lui, comme son nom l'indique, il adore les frites. Tu me files une frite ? Il n'y en a pas assez. Arrête les yeux, kiff. Il a fait une prise de sang et il s'est rendu compte que son corps était constitué à 93% de mayonnaise. Je pense que je vais prendre cette boule dessus. Mais bon, ça l'a pas freiné. En fait, Kader, il croit que quand il va dépasser 100 kilos, il va devenir immortel. Lourd, la cantine, allez. Hey, j'ai fait guétard, Kader, arrête de parler de mon daron comme ça. Hey, je rigole pas avec toi, mon frère. Saïd Bogota. Petit par la taille, mais grand par le mytho. Ouais, c'est bon, quoi, les frères? C'est bon ou quoi? Ouais. Oh bien, Louis Vuitton, on était en vacances, hein? Ouais, j'étais à Abu Dhabi au premier prix de Formule 1, là, tu vois, les... Non... Eh oui. Tu as fait quoi là-bas, business ou quoi? Ouais, business, on parlait de business, argent et tout. Transfert. Neymar. Eh, tu crois que c'est pas Neymar? Non, Neymar, c'est pas moi, Neymar. Mbappé. Ah, toi, tu lis les journaux, toi. Il a mitonné à toutes les meufs qu'il a rencontrées dans sa vie. Il leur fait croire qu'il est soit footballeur, pilote de ligne, une fois il leur a même fait croire qu'il était basketteur. Elle est à toi, la voiture? Tu parles de celle-là ou de la Ferrari là-bas là? Demain j'ai rendez-vous avec Neymar et tout, tu vois. Que je fais là? Ça fait une demi-heure que je t'en ai acheté. Allez, donne-moi les clés. Allez, casse-toi. Allez. Aïe, comme il est trop beau. Lui, c'est Larsen. Tu peux l'appeler la Harry Potter. D'où tu viens? On sait pas seulement s'il est fan d'Harry Potter ou s'il est descendant d'une famille de sorciers puissants. Maroc. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, un mec s'est emboucané avec sa mère et le lendemain, elle le retrouve en slip sur le dos d'un dauphin. S'il te plaît, frérot, j'ai besoin de 20 euros pour faire un Western Union, s'il te plaît. Il parle pas beaucoup, Larsen, hein. Mais il dépanne. Quoi? C'est quoi cette classe? Il vomit des cartes, Et ça, c'est moi, Hichem Boogie, motherfucker. Plus de 347 gardes à vue à mon actif. Hichem, tu vas passer à table, maintenant. En parlant de passer à table, je crois que vous avez mangé des épinards, hein. Effectivement, des épinards avec du chèvre et du saumon, mais c'est absolument pas le sujet, tu vas parler. Je balance pas, hein, je renseigne, c'est tout. Et là, je suis avec James, je lui dis la vérité, donne-moi le calibre maintenant, j'en mets 2 à Tupac. Papa! Dans l'ascenseur, il remonte, solo. Putain, mais c'est pas le sujet, Michel! Mais bon, ils aiment trop me frapper aussi. Oh, chef, alors! Pas qu'il a pas envie de parler, arrêtez de le frapper! C'est pas ça. Après, qu'on a pas assez de soucis déjà avec les Indiens, là? Ah, mais chef, c'est quand le top, et c'est parce qu'il parle trop. Quoi, ça parle trop? Il parle beaucoup trop, apparemment vous êtes voisins, il en sait beaucoup trop sur vous et votre femme. Apparemment quand votre femme elle amène le chien de la brigade canine là-bas au toiletteur, elle se fait donner. Quand elle va chez le boucher, elle se fait donner. Quand comment elle va ça, chez le dentiste, elle se fait donner. Apparemment il la connaît, hein, c'est pas moi. Hein. C'est qui? C'est Monique, la petite blonde là. Oh, tu te calmes, dis-moi, tu respectes pas le chien? Allez-y, continuez. Ouais, c'est vrai qu'avec les profs, je suis pas tout repos. C'est beaucoup mieux. Carlos. Notre directrice, Madame Perruchon. J'en ai marre.
Ouais, elle est calme là. Bonne journée. Elle fait genre, mais en fait, elle nous aime trop. Elle prend trop soin de nous. Je commence à en avoir marre de vous avoir tous les deux dans mon bureau. Et là, pourquoi ? Un vol ? Vous avez volé de la nourriture à la cantine ? C'est lui, il m'a tiré une mode de côtelettes au CDI, j'ai faim. Mais c'est des côtelettes de porc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Tu m'as pas dit que tu le savais. Non, mais bref ! On s'en fiche du porc ! Maintenant, je veux que vous rentriez dans le droit chemin. Mais on aimerait bien, madame. Moi, ma mère, elle est ceinture noire de RSA. Mon père, il est alcoolique et on mange une fois par semaine. Mais c'est horrible. Une fois par semaine ? Oui. Attendez. Tenez, voilà 20 euros. Ah. Allez, mais elle veut trop faire la jeune aussi. Tous les baisers, nous devons. Demande à des 2R2. Grosse la puissance. La puissance. Ah, c'est la puissance. On a réussi à faire virer plus de 37 profs. Mais bon, on a eu aussi des profs mystiques. Moi, c'est Monsieur Twix. Professeur de Krav Maga, je fais du Jeet Kune Do, du Taekwondo, de l'Aïkido. Tout ce qui finit en haut dans les arts martiaux. Karaté Shotokan, karaté volant, karaté sous-marin. Krav Maga, ouais. Je maîtrise à peu près 153 arts martiaux. J'ai déjà pété du bois, des briques, ouais. Et aussi du titane. Tout ça avec la tête. Bonjour à tous. Je suis votre nouveau professeur, Monsieur Patate. P-A-T-A-T-E. Oh! Je vais procéder à l'appel. Hichem. Présent. Charlie. Présent. Ariles. Présent. Non mais vous foutez de ma gueule hein, ou quoi? Non mais c'est moi à chaque fois on se fout de ma gueule. Lorsqu'on la vie de ma mère, je vous encule hein. Je vous encule tous hein. Ils tiennent pas plus de 3 jours avec nous. Monsieur l'empereur, on a réussi à le faire virer une fois. Vous connaissez ? Je vais pas vous le mentir, vous le cacher. Je suis qui ? L'empereur ! Je suis qui ? L'empereur ! Je suis qui ? L'empereur ! Vos gueules ! Fermez-la. Je me suis fait virer une fois, il y aura pas de deuxième fois. Là, on va se la jouer zen. Tranquille, cool, douce. Saïd, assieds-toi convenablement. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce que tu me fais, Saïd ? Hein ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, c'est le goût de Paris, Narvalo. C'est un scandale, ce que tu me fais, là ! C'est scandaleux ! Hein ? Je reviens de thérapie, tu vas me charrier dans mon propre cours ? Hein, Saïd ? C'est là, typiquement, là, c'est mortel. Monsieur, ce que vous cassez, là, dans vos arts martiaux, c'est en carton ? Mais essayez de casser la table pour voir. Écoute-moi bien, petit pédé. Ça se voit que t'as pas fait le Vietnam. Je vais te la défoncer, ta table. Et avec la tête. Ça t'apprendra. Hein? Monsieur Twix. Monsieur Twix, défoncez ta mère. Code de témoin, Monsieur Twix. Monsieur Twix, tu peux ramener qui tu veux, hein. Ton père, ta mère, tout le monde, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Faux. Rech. Tiche. Excusez-moi, madame, pour le bien de notre cours, il faut que vous répétiez cette phrase. Si ceci se sait, ses soins sont sans succès. C'est facile. Si ceci se sait, c'est soi. Si. Si ceci se sait, c'est soi succès. Si ceci se sait, c'est soin. Allez, Nico Boutkoum. La directrice en a tellement eu marre qu'elle a décidé de faire appel à Monsieur Nordin. Ah, il a des méthodes pas très catholiques. Ah, c'était qui, Monsieur Lili? Ah, c'est pas une marque de purée, ça? Hein? Qui? Ah, Lili, avec tes yeux bleus, t'arrives là, regarde. Ah, Monsieur Lili est un dictateur italien. Voilà. Il est connu pour donner des cours atypiques. Mmh. Bon, c'est pas qui c'est, ce mec atypique. Maximus, aka l'espagnol. Là, toute la foule délire. Filade. Allez-y, monsieur, dégommez-le, j'ai sa baguette. Et voilà. Eh oui, un seul grignot.
Mais bizarrement avec lui on a des meilleures notes. Filade, 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 filade. Et nous tous réunis, on est les sec pas, motherfucker. Hey, je me suis chauffé, j'ai fait l'américain. Ah oui, au fait, tu te demandes qui est mort? Il va nous manquer notre petit pote. A ton avis, la boîte, c'est du 44? Ah non. Ça, c'est du 38. À l'aise, il rentre dedans. Pourtant, j'ai cru que son crâne, il allait résister au coup de batte. Yo, les amis, c'est Saïd Bogota. Yo, les amis, c'est Saïd Bogota. Yo, les amis, c'est Saïd Bogota. Tiens, il s'est réveillé. Vivant. Frérot, tu as envie, mais tu sens encore le mort de la bouche. Il s'est passé quoi, les frères? C'est le prince qui t'a pris un coup de batte de baseball, tu étais mort. On a retrouvé les 7 mini-boules de cristal. Et là, il y a un dragon. Il est venu et t'a ressuscité. Toi, c'est Son Goku. Nya, je suis Son Goku. Tu es Son Goku, ouais, frère. Ça fait 3 mois que tu es dans le coma, espèce de zgeg, tu vois pas? Et moi, c'est le prince. Et... Le prince, il s'est fait arrêter, tu vois, le bordel que c'était. Bon, les gars, vous me le fouillez? C'est déjà fait, chef. Eh ben, vous allez me le refouiller, hein, parce que moi, je les connais, les mecs comme lui, hein. Ça cache des bombes partout, c'est mexicain. Mexicain toi-même, y'a le cul. Pas comme ça au patron, ouais. Avance. Bon, allez, Ngouma, on y va. Ok, patron. Allez, vas-y, ils nous attendent. Et moi, Ez, et moi, Ez. Tous en prison. Ah ouais? Bien, si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Comme vous le savez, Monsieur Nordin est actuellement En congé maladie. En congé ouais. Maladie. Et pour pallier à son absence, nous avons un nouveau professeur. Monsieur Perru. Non, Monsieur le recteur. Ça ira très bien. Hein. Monsieur le recteur, voilà. Donc je vous demande de lui donner toute votre attention. Je suis ravie parce que vos moyens ont légèrement augmenté. Ne baissez pas les bras. On continue comme ça. La classe de SECPA ne peut pas essuyer encore un échec. Vous avez pris un peu d'assurance, hein, Madame Pelochon? C'est bien. J'ai regardé Scandale pendant toutes les vacances. Appelez-moi Olivia. Voilà, écoutez, bien, merci, hein. Bon ben, partez. Enfin, monsieur le recteur. Allez, hop! Ouais, des fois, je vais apparaître comme ça. On a oublié de te présenter, lui, c'est monsieur le recteur. C'est un gros enfoiré. Bon, puisque c'est comme ça, vous ferez 31 supplémentaires. Bon, à part ça, le ramadan... Pas trop dur, ça va? Ah, Abdullah, comme on dit chez vous. Vous auriez pu mettre la clim quand même. Ah, la clim? Ah, mais elle est cassée. Ouais, réduction budgétaire, on peut pas la réparer. Dommage. Vous voulez peut-être un. Ah, ben non. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il sait comment parler aux élèves. Alors, mademoiselle, hein? On commence comme ça au collège? Après, on obtient un CAP de justesse, on s'inscrit à la fac de droit pour toucher la bourse, hein? Et on finit quoi? Chroniqueuse sur Énergie 12? Avec un enfant dont on connaît pas le père? C'est ça votre avenir? Petite minable! J'ai juste pas fait mes devoirs. Mais ça commence comme ça! Bon, bah écoutez, pour évaluer votre niveau, je vais vous interroger sur le cours d'histoire de la semaine dernière que vous avez eu, hein? Charlie, qui est cet homme? Le comte de Saint-Germain, né entre 1690. 1710. Il est mort à Équinforte. C'est un aventurier français du 18e siècle. Bien, Charlie. Bon, Walid, qui est cet homme? C'est le comte de Chambord, autrement appelé Henri d'Artois. Il est le petit-fils de France et le prince de la famille royale. Bien, Walid, écoutez, ça fait plaisir, je vois que la SECPA a révisé, enfin. Bon, allez, pour le plaisir, un petit dernier. Hichem, qui est cet homme? Lui, C'est le comte de tes morts. Arrête de rigoler, poto. Le comte de tes morts. Bon bah écoutez, Hichem, puisque hein, les rapports ça fait rien, les heures de colle ça vous sert à rien, je vais convoquer directement vos parents. Ah non. Ça les fait rire les autres?
Ben on va faire une grande réunion de famille, je vais convoquer tous vos parents demain matin. Non, mais fermez-la. Ok, fermez-la avant d'enfoirer. Fermez-la. Bonjour messieurs. Bonjour, vous êtes donc le père de Charlie. Le père de Charlie. Très bien. Ici présent. Bon, et donc vous êtes... Moi je suis le vrai père de Charlie. Attends, on explique, on n'est pas des pères qui font des enfants ensemble, hein. Moi j'ai enceinté sa mère, voilà, c'est moi qui ai tout fait. Après j'ai tout payé, j'ai payé les études, j'ai payé les courses, j'ai payé tout. Tu payes l'eau, là ce que tu bois, hein, tu te laves même pas, tu sens le caca, ça sent fort. Mon fils n'est pas comme ça, il est comme moi, hein, Nobé. Bien, écoutez, merci messieurs, on réglera ça peut-être à la maison. Hein. Bonjour monsieur Potter. Salam alaikum. Bien, écoutez, merci d'être venu. Donc, si je vous ai convoqué, c'est pour parler de votre fils. Hein. Il a des gros problèmes d'inattention. Hein. Il répond même pas à son nom quand on l'appelle. La scène. La quoi? La scène. Non, c'est pas son prénom ça. Son prénom c'est Lahsen. Oui, ben c'est ça, la scène. Dis Lahsen. Larsen. La-ha. Larsen. La-ha. Ha. 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 Larsen. Larsen. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, quand tu t'énerves, tu sais le dire, hein. Voilà, si on est là, c'est pour Charlie, pour son comportement un peu irrespectueux à l'école. Ouais. Il n'a pas respecté qui, les professeurs? Exactement. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont dit mon fils, il a mal comporté. Voilà, complètement, hein. Ne frappe pas l'enfant. Non. Mais voilà, merci messieurs, voilà. Après c'est comme ça, ça devient des délinquants. Oui, exactement. Voilà, Larsen, voilà, qui a des problèmes mystiques, on pourrait dire, hein. Enfin, il fait apparaître et disparaître des choses, hein. Il y en a même qui l'ont vu voler. Attends monsieur, c'est pas parce qu'on est des Arabes que tu vas nous dire les voleurs tout le temps, hein. Ah non, pas du tout. J'allais te le rendre en plus, c'est bon, c'est pas... C'est pas du tout ça, je parle plutôt de magie noire. De la magie noire? Oui. Bon, j'ai bronzé un peu, mais on est des Arabes, on n'est pas des Noirs. Il y a d'autres problèmes aussi, hein. Il y a pas, justement, ça qui fait partie des irrespects, comme on dit. C'est bon, bah, son côté un peu exhibitionniste. Vous voyez, ça vient de moi, ça. Ça vient de moi, hein, mon fils. Ça vient de moi. Fiston, tu es comme moi. Ça, c'est nous, ça. Tiens, Yobé. Ouais. Voilà, écoutez, Yobé ou pas Yobé, voilà, ben ça, c'est un comportement irrespectueux. Voilà. On ne se met pas nu en cours. Voilà. T'as vu, il a dit, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Parce que ça, après, les professeurs, oui, ils sont pas contents. Ben voilà. Donc, les professeurs sont venus te voir, te parler. Voilà. Et après, les professeurs, ils sont obligés de faire des rapports. Ça, c'est resté dans les études. On est bien d'accord, monsieur. Voilà, exactement. Et après... Frappe pas l'enfant. Non, mais enfin... Écoutez, monsieur... Le professeur ne va pas mentir ici. Non, mais c'est aucun rapport, je parlais de sorcellerie. Sorcellerie. Ah, mais t'es ça. Voilà. Sour, la sorcellerie. Voilà. Oui, mais ça, c'est normal, ça, c'est moi, je lui ai appris ça. Oui, ben, c'est interdit à l'école. Voilà, on fait pas de... Sour. Ah non, il peut pas arrêter la sorcellerie, hein. S'il arrête la sorcellerie, il arrête toute la vie autour de lui. Et tu fais partie de autour de lui, hein. Vous êtes sérieux? Ah, bien sûr que je suis sérieux. Bon, écoutez, ok, il peut continuer, mais enfin, avec parcimonie. On va faire avec parcimonie, oui. Vous connaissez? On va le trouver, on va faire avec lui. Voilà, bon, écoutez, merci monsieur Potter. Voilà. Et voilà, la porte est là-bas. D'accord. Messieurs, merci. On va commencer simplement, vous voyez, ce qui serait bien déjà, justement, pour dans le respect, c'est déjà qu'il enlève son chapeau en rentrant en cours. Voilà, ah non, ça, par contre, les chapeaux, ça, c'est moi, ça. Ah. Et ça, c'est pas un problème. Les chapeaux, ça, c'est bien, mon fils, c'est bien. Ah, bon, ça, c'est bien. Mais si l'autorité, c'est toi qui dis qu'il faut enlever les chapeaux, il faut enlever les chapeaux. Je vais le piquer. Si je le pique, là, je pêche le ventre, ça va couler, on va arroser les plantes avec son ventre. Là. Franchement, calmez-vous, je verrai ça directement avec Charlie, voilà. Je pense que c'est préférable, d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on est venu pour rien? Wakanda. C'est quoi tous ces fous? Oui, Brigitte. Oui, ben c'est moi. Oui, vous savez quoi? Vous m'annulez là tous les rendez-vous avec les parents. Pourquoi? Eh, parce que je suis fatigué. Voilà. Parce que je connais pas tous les us et coutumes de tous les pays. Vous savez ce que c'est le scroll? Mais non, c'est pas une nage, un culte. Quoi? Qui? Monsieur Nordine revient? C'est génial. Que des bonnes nouvelles, Brigitte. Bravo. Monsieur Nordine était enfin revenu. Alors, on dit que Charlemagne, il a inventé l'école. Il a inventé Zebby. Son vocabulaire fin et léger nous avait manqué. Avant Jésus-Christ. Répète. Les Comores, c'est ici.
Quand ? Il nous enseignait son goût pour le partage, la fraternité et la pureté des peuples. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est pas... Ah ouais, je peux regarder ? Oula, pas bon pour toi. Là, là, pas bon, ça pas pour toi non plus, pas bon. Oh, oh, diabète ! Monsieur ? Il était à l'écoute des élèves. T'as fait tomber le truc, là, non ? Et ce jour-là ? Tout le monde est là ? Ouais. Alors aujourd'hui, on n'a pas cours. On a piscine. On aurait bien aimé venir, mais on n'a pas nos affaires. J'ai tout prévu. Quoi, c'est quoi ça, les petits bonnets en plastique arrachent la tête à l'ancienne avec des petits strings? Oh, on n'est pas des truffes. La tête de ma mère, on a plus de 12 ans. Attention, il y en a un pour ça. Attention, je te le dis. On piscine, pas nous. Et je tape du crawl, je tape du swimming pool. Oh, désolé, il y avait déjà quelqu'un. Non, non, y'a personne, y'a personne. Venez, madame. Mais venez, madame, y'a de la place. Bouge. C'est les hommes ici. Ouais, bon, d'accord, ça va. Oh, comment elle est onctueuse. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'enlever ton haut de barbier, on va aller la chasser. C'est là. Ouvre, je la vais en premier, ouvre. Tu vas aller en premier, tu es sûr? Oui, je vais le mettre. Allez, vas-y. Alors, ma petite cacahuète. Oh, Michel. Eh, Walid, comment j'ai grave envie de pisser. Oh, tu es un fou, faut pas pisser. L'eau, elle va devenir tout rouge, le pont, il va te bomber. Ah ouais? Ah, vous parlez de quoi, là? Ce gars qui croit que si tu pisses dans l'eau, ça devient rouge. Mais il a raison, Hicham. C'est une légende urbaine. C'est pour faire peur aux enfants. Eh ouais, viens, je vais te montrer, viens. Vous avez réussi à leur faire porter un maillot de bain. Oh non, ça va, j'ai pas tant de mérite que ça. Oh, si, si, si. Non, non, ils sont pas terribles, en vérité. Ah ouais? Et ils pissent dans l'eau. Oh, bien ça, avouez que tout le monde pisse dans le bain, hein, c'est vrai. Même du plongeoir. Hein? Et tu as gagné. Bois. Eh ben... Qu'est-ce que tu fais là? Arrête de pisser. Allez, sortez de l'eau là, sortez. Sors. Monsieur, ça va ou quoi? Oui, non, ça va très bien. Bon, alors, vous allez passer votre diplôme du 50 mètres, hein? Le diplôme de nage sur 50 mètres, un des seuls diplômes qui pourra figurer sur notre CV plus tard. Toi, Saïd, ce sera 25 mètres. Qui sait pas nager, là? C'est nager, toi, Charlie? Mon oncle, il a fait les JO, les gars. Ouais, c'est vrai. Charlie fait partie d'une grande famille de nageurs. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Eh, non, franchement, on se demande s'il va arriver au bout de 500 mètres. Toi aussi? Tu te jettes à l'eau? T'es fou, Narvalo, je nage tard pas bien. Okay. Allez! Allez, respire! Par le nez! Vas-y, respire, c'est ça. Putain, on dirait un rongeur. Michel! Vas-y, échauffe-toi, tu vas rentrer. C'est quoi ce nage? Lui c'est normal, c'est son Doberman, il a appris à nager. Voilà, c'est ça, ça c'est une belle nage, Hicham. Hein? Regardez monsieur, la technique du dauphin. La conne de tambour. Champion du monde de javelot aussi. Ouais! Oh Cadet! C'est quoi cette nage là? C'est quoi ce nage? Monsieur! Oh, mais c'est rien ça! C'est le mec de Crowley! Casse-toi dans la place!
YouTube, ils vont nous bloquer la vidéo. Enchaîne. Ah, mais je suis blonde. Allez, 1, 2, 3. Bon, allez, c'est comme le chocolat. J'y vais. Non, attends, c'est moi le spécialiste. Waouh, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux, monsieur. Ah, très très bien même d'ailleurs. Très très bien. Ah, je pète ta forme. Bon, c'est fini. On rentre. C'est trop facile, là, mec. Vas-y doucement là, je suis censé me défaire. Frérot, c'est la dernière fois que je le fais. T'es pas mon fils, t'es pas mon neveu. Prends pas la confiance. Hein. Putain, la salope. Ah ouais. T'en as mis partout, t'en as mis. C'est pas de ma faute. Là. T'en as mis partout, cochon. Bah. Elle est toute propre. Et tu m'arrêtes les pois chiches. Hein. C'est bon, tu lui as changé la couche, hein, la petite poupée. Ouais, c'est bon. Oh, il est trop con ce prof. En vrai, c'est le même. Mais non. Putain, viens, on va le voir. Revenez. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai pas dit d'aller à la douche! Si, si, ben justement, parce que là, pompon sur la garenne. C'est quoi ça? C'est cheveux mouillés? Shampoing, cheveux secs! Y'a du sec là, y'a pas de sec! Et alors? On est bien au sec, pas, mais à un moment donné où? Je suis pas allé de la dernière piscine moi! Occupe-toi d'eux s'il te plaît, moi j'ai des lois, je m'en casse. Eh ouais, prof d'éducation nationale, tu connais pas de shampoing! Je comprends rien du tout ce prof, il veut nous renseigner à nous. Va Charlie, vas-y. Oh, tu es tarpégude, c'est pas nager, je vais te noyer. Bouge. Fatigué. Oh, mais les gars, shampoing pour cheveux secs, ça veut pas dire qu'ils sont secs, c'est la nature des cheveux. Vous comprenez? Soyeux, lisse. Ah, ouais, c'est pour ça, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tiens, allez, nique-moi tes morts de là. Bouge. Il mérite. Casse-toi. Allez, hop, scène coupée, bêtisier. Oh, on a plus 8 ans, mais plus des trucs comme ça. Oh, la vie de ma mère, je vous le dis, on fait plus des trucs comme ça. Non, non. Il manque du sucre. C'est ça, t'as des fils de pute. C'est le dos, bien. Allez, Hicham, s'il te plaît. Ouais, ne mets pas 7 pieds devant ta bouche. Allez, action. Coupé au chien. Ah, mais tiens, va un peu chômage. Qu'est-ce que tu fais là? La vérité, là c'est du flagrant délit. Non. La vérité, c'est du flagrant délit. Coupe-moi, fils de. Dis-le. C'est quoi? C'est toi. On est chez les hommes. Restez assis. Ah, demain, contrôle d'évaluation sur tout le trimestre. Non. Comment, demain? Mais monsieur, pour demain, on n'aura jamais le temps de réviser. Non, me dites pas que je vous ai pris en traître, hein. Si je puis me permettre, monsieur l'arbitre, cela ne me paraît pas très très légal, car selon la nouvelle réforme ministérielle, plus précisément celle du dispositif du devoir fait, qui permet à l'élève de faire ses devoirs, entre autres, à l'école plutôt qu'à la maison... Je m'en bats les couilles. Hein? Et attention, hein, pas d'excuses, hein, celui qui me dit qu'il a glissé sur nos bananes, qu'il y a la grève des bus, que ça sera la gastro, que sa mère elle est morte, je le défonce. Et je défonce son père. Monsieur, ici on n'a pas de père. Je vais trouver un mec, je vais le mettre avec ta mère, tu vois, concubinage. Jusqu'à que tu l'appelles papa, hein? Tu veux l'appeler avec lui, tranquille. Là, ce sera ton père, non? Je viens, je le défonce. C'est clair pour tout le monde? Allez, cassez-vous. Sauf toi. Donne-moi le numéro de ta mère. Oh les gars, Charlie, Hichem, réveillez-vous, il y a un truc bizarre là. Ah, on est attachés, réveillez-vous. Hichem, Charlie. Putain. Hichem, ah Charlie, ah Hichem, réveille-toi. Charlie, là. Réveille-toi, putain. On est où là? Mais les gars, on est où là? Ah, on est où là? Je crois que c'est une salle de torture, les gars. On a personne, on s'est CAP mécanique, frérot. Eh les gars, quelqu'un sait comment on s'est retrouvé ici?
Ah, ça y est, je me rappelle. Je suis arrivé en classe pour le contrôle. Il y avait à manger sur la table. Ah voilà, on était en cours, ça mangeait des schtroumpfs, il y avait des petits crackers, on jouait au beer pong. Les petits crackers, c'est avec les fromages, les cacahuètes, ouais. Moi c'est crème. Si on a un souvenir en commun, c'est que c'est pas un cauchemar. Comment tu sais ça, toi? Inception. Je l'ai vu trois fois. J'évite, c'est qu'il meurt pas à la fin, parce que la toupie, elle s'arrête pas de tourner. Mais au bout d'un moment, il fait une petite fin. Eh non, il meurt. Ah, c'est pas bien, Chem, tu là, tu me spoiles le film. Comment tu l'as pas vu? Il est sorti il y a 20 ans. Mais tu vois pas le dernier film qu'il a vu au cinéma, c'est Terminator 2? Pitié, pitié, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous, pitié, au secours, au secours, s'il vous plaît. Ah, on est attachés, oh oui, on est attachés, souhaitez-nous, monsieur. Les gars, arrêtez là, c'est sérieux. Hichem, arrête. C'est sérieux. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est sérieux, tu vois pas, c'est le prof, il nous fait une blague. Un tableau, des chaises, une table, c'est sûr, c'est lui. Oh les gars, il est où, Saïd? Saïd, la vérité, je crois qu'il est mort. Hein. Et fais attention à toi, Charlie, aussi, parce que dans les films d'horreur, c'est d'abord le nain, le black et la meuf bonne avec des gros seins. Non, juste les gros seins. Ou le mec avec des gros seins. C'est qui, ça? Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites? On a contrôle aujourd'hui. Je t'avais dit, Renoir Fragile, c'est lui qui nous a amenés ici. Qui c'est qui m'a appelé? Bah, je sais pas, c'est bon, on a vu le tableau, les cours. Ça... C'est qui m'a appelé? Mais personne ne l'a appelé. C'est vous qui l'avez fait, ça? C'est ingénieux, hein? C'est toi? Non, ça peut pas être vous, ça. Trop malin. Mais comment? Oh, ça fait le tour! Mais putain, je vois ça! Non, ça crie, hein. Ça crie maintenant, hein. Ça crie, hein. Oh, vous croyez qu'il est mort ou quoi? Non, Hichem, arrête. Ça vous plaît, vous, que nous prenez un coup de gifle et c'est tout, bon, hein? C'est bon, j'arrête. Non, Hichem, c'est bon, s'il te plaît. Bonjour les Segpa. Vous passez votre temps à utiliser vos talents respectifs afin d'humilier et traumatiser vos professeurs. Vous prenez vos privilèges comme acquis, vous gâchez vos vies. Et ceux qui ne savent pas apprécier la vie ne méritent pas de vivre. L'heure de la rédemption a sonné. On va jouer à un jeu. Les règles sont simples. Sur le tableau en face de vous, il y a trois exercices qu'un élève de niveau moyen peut réussir. Voilà ce qui vous arrivera si vous faites une erreur. Laissez mon bras, s'il vous plaît, appuyez. Tiens, c'est Saïd, ça. Ouais. Allez, d'accord. Oh, d'accord. La vérité, laissez-le, il meurt, ce poney, Mélan. Quoi? Tu es un fou, quoi? Il me donne 12 euros. 12. Il meurt, s'il veut, il me les rend d'abord. Non, faut pas 12 euros. 12 euros? Non. Venez, on va 3 pizzas, 2 canettes, 1 frites. Non, c'est mort, il meurt pas. Non, faut pas aller chercher. Non, non. Bien entendu, vous mourrez aussi en cas d'échec. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Dans une heure, ce sera la fin. Mais pour qui? Que la partie commence. Oh, tu dors pas, toi? Non. Maman Zubida partage ses 18 briques à part égale avec ses 3 enfants. Combien de briques reçoit chacun de ses enfants, sachant que l'un d'entre eux se prénomme Kader? Déjà, là, elle en a pas fait assez, parce qu'à la base, c'est 34. Là, elle en a fait 18, sachant qu'il y en a un qui s'appelle Kader, ça fait 12, 3, 3. Comment tu sais ça, toi? Bah, ma mère, elle s'appelle Zubida. Réponse correcte. Putain, c'est bon, c'est ça. Ouh, j'ai le centre aéré. Bien vu. Pour l'achat à crédit du dernier T-Max Black Edition d'une valeur de 10 600 euros, il faut verser 3 850 euros à la commande et payer le reste en 5 mensualités. Quel est le montant d'une mensualité? T-Max Black Edition, alors écoute-moi bien, je connais trop bien le calcul. 5 mensualités divisé par 3, je retiens 7, la racine carrée du père à Walid, moins 4, plus 7, ça fait exactement la somme de 1 350 euros. Ouh, tu connaissais la réponse? Non, mon frère Nabil en a acheté un. Ouais, ça passe. Tiens, je t'ai dit quoi? Ouais, bravo. Dernier exercice. Sur le tableau devant vous, il y a des chiffres et des résultats. Complétez les calculs avec les bons symboles. Oh, lève-toi, il y a des maths, lève-toi. Non, pas mon cucu. Lève-toi, il y a des maths, il y a plein d'opérations, tu dois placer les symboles là. Ah, c'est facile. 2 plus 2 plus 2, 6. 3 fois 3 moins 3, 6. 5 divisé par 5 plus 5, 6. 6 moins 6 plus 6, 6. Moins 7 divisé par 7 plus 7, 6. Racine de 9 fois racine de 9 moins racine de 9, 6.
C'est bon. Validé. Allez, c'est bon, belle. Bravo, Walid. Moi, je suis fier de toi. Monsieur, ça dégage là maintenant. La partie est terminée. Voilà, bouge pas, mesdames. Non mais crie, crie, sinon ça fait pas ça, ça le fait pas. Vas-y, crie. Crie ou sinon je te coupe. Vas-y, crie. Voilà, comme ça. Maintenant, sors ta faucille. On ne détache pas, on le laisse comme ça, c'est quoi? Ah, monsieur, partez comme ça, normal. Non, monsieur, revenez. On va m'entendre chez le bureau du proviseur. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai faim. C'est qui ce fils de pute? Mais c'est Saïd. Mais non, c'est pas Saïd Bogota. C'est pas Saïd Bogota, et tu vois pas celui? Vas-y, enlève ton masque, je vais te bifler, vas-y, enlève. Tu m'as cramé. Eh bien, viens vite détacher, je vais te prendre un coup de pied dans la gorge, viens vite. Détache-moi, je vais te manger, Saïd. Vas-y, bouge-toi, bouge-toi.